Frenchman in Washington, première étape de la visite d'État d'Emmanuel Macron, le siège de la NASA, avec à ses côtés la vice-présidente Kamala Harris. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Parmi les enjeux abordés lors de cette visite, envoyer un Français sur la Lune. Oui, Emmanuel Macron pousse pour la candidature de Thomas Pesquet, l'astronaute qui espère rejoindre le programme Artemis, le programme américain de retour sur la Lune, était d'ailleurs aux côtés du chef de l'État pour échanger avec Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui s'est montrée particulièrement chaleureuse pour cette première étape de cette visite d'État. Les États-Unis et la France sont partenaires dans l'exploration spatiale depuis plus de 60 ans. Et depuis tout ce temps, nous avons fait de grands progrès. Et encore, à bien des égards, nous commençons un nouveau voyage ensemble. Le spatial, un sujet hautement stratégique selon l'entourage d'Emmanuel Macron, ce qui n'empêche pas le président français de glisser sa demande sur le ton de la blague. Vous avez mentionné Artemis 1, 2 et 3. Nous travaillons à y participer et nous avons ici l'équipe française. Thomas est très enthousiaste et très excité d'en faire partie et c'est très important pour nous. Vous pouvez proposer aux leaders français de voler assez rapidement vers la Lune et probablement nous serions très contents de cela. Emmanuel Macron, dont la visite se poursuit désormais au Capitole, c'est l'heure du déjeuner à Washington et le président français partage un repas avec le groupe Biodiversité du Congrès américain pour échanger sur la transition énergétique. Jacques Serret, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis et ce soir, le couple Macron dînera avec Joe et Jill Biden dans un restaurant de Washington.